Salut mes amis, dans cette vidéo on va voir les téléphones de Huawei qu'il veut avoir le mise à jour de Harmony OS. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de faire like, abonnez à ma chaîne. Donc voilà, premièrement on a une image dans cette vidéo. Dans tout le vidéo on va voir cette image et des processeurs qu'il veut avoir ce mise à jour. Donc voilà. Premièrement, on va débuter maintenant pour le Kirin 9000. Ce processeur est dans le Mate 40 et Mate 40 Pro. Qu'il va le premier téléphone de Huawei qui va lancer après 2 semaines. Et ça, le premier téléphone qu'il y a le Harmony OS au début. Donc voilà, le second processeur, c'est le Kirin 9090. C'est un processeur qu'il y a dans plusieurs téléphones. Et aussi, il y a deux versions, la version 4G aussi la version 4G. Donc voilà, maintenant on va voir les téléphones de ce processeur qu'il veut avoir le mise à jour. Donc voilà. Maintenant, on va voir les téléphones aussi qu'il y a ce processeur et le Huawei P40 Pro et aussi le P40 et aussi le P40 normal et aussi le Huawei Mate X et aussi le Huawei Mate 13 et Mate 13 Pro et aussi le Huawei Nova 6. Donc voilà ici et aussi il y a beaucoup de téléphones comme le Huawei Honor V30 et aussi le Huawei Honor V30 Pro. Donc voilà, ici ce processeur, tous les téléphones ça, vous pouvez installer le Harmony OS. Donc voilà, le processeur numéro 3 c'est le Kirin 9080. Ce processeur est dans beaucoup de téléphones comme ce qu'on va voir maintenant. Le Huawei P30, ce téléphone peut avoir ce mise à jour. Et aussi le Huawei P30 Pro, et aussi le Huawei Mate 20, et aussi le Huawei Honor View 20. Et aussi le processeur numéro 9, c'est que le Kirin 820. Dans ce processeur, il y a beaucoup dans le téléphone flagship comme le Huawei P30 Lite. Aussi mes amis, on a le processeur de Kirin 810. Ce processeur peut avoir le mise à jour de Harmony OS. Aussi on a le Kirin 710. Ce processeur il est capable d'avoir beaucoup de personnes se mise à jour parce qu'il y a dans les téléphones de haut de gamme et aussi les téléphones de meilleure gamme. Comme le Huawei Y9 2019 et aussi le Huawei Y7, aussi les téléphones de Huawei, les derniers téléphones qui n'ont pas les services de Google peuvent avoir ce mise à jour. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de faire like et abonner à ma chaîne et ciao dans notre vidéo.